Cours numéro 7, CMH et présentation de l'antigène. Les cellules présentatrices de l'antigène. L'étape critique dans l'induction d'une réponse lymphocytaire T est la présentation de l'antigène aux cellules T par d'autres cellules, appelées CPA. Par convention, CPA est toujours le terme utilisé pour désigner les cellules spécialisées qui présentent des antigènes aux lymphocytes TCD4. Car toutes les cellules nucléées peuvent présenter des antigènes peptidiques aux lymphocytes TCD8, mais elles ne sont pas toutes appelées CPA. Différents types de cellules fonctionnent comme des cellules présentatrices d'antigènes. Pour activer les cellules T naïves ou les cellules T effectrices précédemment différenciées. Les cellules dendritiques sont les CPA les plus efficaces pour activer les lymphocytes T naïves et donc pour initier les réponses lymphocytaires T. Les macrophages et les lymphocytes B fonctionnent également comme des CPA, mais principalement pour les lymphocytes T auxiliaires précédemment activés que pour les lymphocytes T naïfs. Ces trois types de cellules sont appelées CPA professionnelles. Cependant, ce terme est parfois utilisé pour désigner uniquement les cellules dendritiques en raison de leur rôle unique dans l'activation des T naïfs. Les cellules dendritiques, les macrophages et les lymphocytes B expriment des molécules de CMH de classe 2 et d'autres molécules impliquées dans la stimulation des cellules T, appelées molécules de costimulation ou costimulateurs. Les CPA sécrètent également des cytokines qui jouent un rôle essentiel dans la différenciation des T naïfs en cellules effectrices. L'antigène est le premier signal et ces stimuli supplémentaires sont parfois appelés second signal. Les CPA qui présentent des antigènes aux lymphocytes T reçoivent également des signaux en retour de ces lymphocytes qui améliorent leur fonction de présentation de l'antigène. En particulier, les lymphocytes TCD4 nouvellement activés expriment des molécules de surface, notamment le CD40 ligand, qui se lie au CD40 à la surface des cellules dendritiques et macrophages. Les lymphocytes T sécrètent également des cytokines comme l'interféron gamma. La combinaison de ces signaux active les CPA, ce qui entraîne une capacité accrue à apprêter et à présenter les antigènes, une augmentation de l'expression des costimulateurs et une sécrétion accrue de cytokines. Il s'agit donc d'interactions bidirectionnelles entre les CPA présentant l'antigène et les lymphocytes T qui reconnaissent l'antigène. Cela fonctionne comme une boucle de rétroaction positive qui joue un rôle important dans la maximisation de la réponse immunitaire.